dimanche. Pas, on va voter. On va voter. Vous en cassez les maisons, on va voter. On va voter. Les Ivoiriens sont en plein. On va voter. Dans le Kéké, il faut voter. Merci, plus de ma Fabrice. Voilà. Camarade de notre vice-président, professeur Hubert Olaï, camarade président exécutif, professeur Sébastien Dano-Djedjé, camarade secrétaire général, l'honorable député Thierry Jean Gervais, camarade vice-président du CSP et membre du CSP, camarade VPE, camarade secrétaire général adjoint, CR, fédéraux, SNT, président des commissions et des organes, chers camarades militants et militants, j'ai l'insigne honneur de prononcer le mot de clôture de des festivités marquant le troisième anniversaire de notre parti, le PPACI. Et comme tout a été dit, et bien dit, à la fois par le deuxième vice-président, le président exécutif et le secrétaire général, ma tâche est totalement simplifiée. Je voudrais articuler mes petits mots autour de trois points très vite. Hier, nous avons reçu notre fiche de mission, pour ceux qui en doutaient encore, avec l'interview qu'a accordé le président Laurent Gbagbo à Foucault, c'est ça ? Alain Foucault. Alain Foucault. C'est pas Jacques Foucault. Non, c'est Alain Foucault, c'est pas Jacques Foucault. J'ai relevé trois choses auxquelles je vais ajouter un petit élément. Lui posant la question, du moins abordant la question de sa candidature, Alain Foucault a essayé, du moins a voulu mettre cette candidature sous condition. Quand vous, si vous y êtes, le président ne l'a même pas laissé terminer, il a dit « j'y serai ». Je crois que c'est le plus grand engagement et c'est la plus grande motivation qu'on pouvait avoir. Il a dit « j'y serai ». Et il a expliqué pour les raisons pour lesquelles il y sera. Que depuis l'âge de 18 ans, il se bat pour une cause et cette cause n'est pas encore, je dirais, l'objectif est loin d'être atteint. À la limite même, il y a des reculs par rapport aux acquis que nous avons eus. La liberté des Ivoiriens et des Africains. Voilà le fondement de son combat politique et voilà pourquoi il a dit « j'y serai ». Président, nous serons avec vous là-bas. Et donc, après avoir écouté le président, il ne nous reste plus qu'une seule chose, et cette chose-là, le secrétaire général, tous les trois discours ont déjà décliné ce qu'il reste à faire. Moi, je voulais tout simplement ajouter qu'en plus de ça, nous sommes en train, le parti est en train d'élaborer son programme de gouvernement qui sera diffusé très prochainement. Sur instruction du président. Et c'est un programme ambitieux pour la Côte d'Ivoire, ambitieux pour l'Afrique, mais dans lequel les femmes et les jeunes occupent une place prépondérante. Donc, c'est sur ces mots. Et à la suite de ce qu'a dit le président exécutif,
et en tenant compte des gestes du président Laurent Gbagbo, que nous invitons les jeunes et les femmes à s'approprier ce combat-là, parce que finalement, c'est le leur, c'est pour eux et c'est pour elles qu'il a dit « j'y serai ». Donc, en son nom, au nom du président Laurent Gbagbo, avec ces mots forts, je voudrais déclarer close les festivités marquant le troisième anniversaire de notre parti, le PPAC. Je vous remercie. Bravo. On va applaudir. Restez en place. Restez en place.